un projet qui nous travaille avec l'ONG Autosuffisance Alimentaire. Et au fait, quand nous trouvons tout simplement une difficulté qui est là, bon, post ou cachot, plus Covid, nous trouvons qu'il y a une certaine famille qui est capable de bénéficier d'un support qui peut être autosuffisant. Le projet vise à donner un moyen pour le PC, pour le labourer, qui est capable de diversifier les sources de revenus. Je ne pas juste sur la pêche, je ne pas juste sur la labourer, mais je fais production de légumes, l'élevage. Et aussi faire la paix aussi. Nous devons faire ça, moi je dis, nous devons revenir et on fait travail, la meilleure chose là, pas trop bon, maçon chose là. Mais ça dit que là, on fait nous faire soin pour là, nous devons dire, bah nous avons un petit peu de choses pour l'école. Une grande affaire, c'est que la banque peut faire, puis gagner revenir à la maison. Je remercie beaucoup. Aujourd'hui, je reçois une poule pendaise, mais j'espère jusqu'à quand les pommes, moi pour gagner mon revenu là-dedans, gagner mon dépense. Parce que vous disiez que nous servons gâteau, mes deux cheveux, plusieurs affaires nous servent disait, mais il y a nous beaucoup de besoin d'acheter. Alors, je remercie la banque pour ça beaucoup, qui aide nous pour ce projet-là. Comme quoi, comme M. Eric, il dit à moi, je suis allé grand matin, je suis venu midi, et tantôt, je m'occupe de ma poule. Alors, nous présentons aujourd'hui au Weaver Center de Vieux-Grand-Pô avec 70 familles qui vont recevoir une formation. Je vais suivre une technique de jardinage qui se peut employer que Dieu. Je vais recevoir un équipement et je vais planter, je vais gagner des légumes pour que nourrir les autres familles. Pour nous, à la banque, c'est très important et de la communauté. Et dans le contexte de COVID, nous réalisons que ces familles-là vraiment en difficulté. Et nous amènons nos supports pour faire de sorte qu'ils deviennent autosuffisants. Demain, ils ont moins de dépenses en termes d'alimentation pour aller acheter des légumes ou bien acheter des œufs ou bien des poules pour être capable de vivre premièrement et vivre mieux. Nous payons du travail, nous payons le travail. Mais ça, cela peut aider nous, comment dire, pour nous faire l'avancement, nous payons 10 œufs. Nous devons manger, nous devons manger les légumes pour nous manger. Nous remercions ça qui nous prend cette initiative pour aider les gens qui, surtout sur la côte Est, qui sont impactés avec le Covid et le Wakacho. Nous espérons qu'ils soient capables d'aider la famille qui, pour lesquelles nous pouvons distribuer cette poule pondeuse et aussi un bac pour une backyard farming.